Cela ressemble à une immense fourmilière. Une fourmilière où près de 3000 ouvriers s'activent et travaillent d'arrache-pied. Bienvenue à Batibo, J-5, le plus gros chantier indoor de Belgique. Ce sont pratiquement 1000 chantiers, comme si on construisait 1000 maisons. Il y a d'ailleurs quelques maisons qui sont construites entièrement au salon. Michel est le directeur de la seule usine belge de blocs de béton cellulaire. Avec ses hommes, il vérifie l'avancement du stand. Présent depuis plus de 20 ans à Batibo, il ne se laisse pas vraiment submerger par le stress. C'est bien la première année où on n'a pas froid au montage. D'habitude, avec tous les courants d'air, il fait relativement froid. Ici, l'inconvénient, entre guillemets, ou l'aspect le plus technique, c'est que justement, on a beaucoup de petits chipotages. Alors monsieur, qu'est-ce qui change quand on travaille dans un palais d'exposition ? Principalement le bruit. Lorsqu'on range le soir, on a vraiment la tête qui bourdonne toute la soirée. Bon, il y a énormément d'animation, vous pouvez voir le nombre de stands qui sont présents actuellement. Et à fur et à mesure que les jours vont passer, il y aura de plus en plus de monde pour assurer les finitions. Il faut rester concentré. Tout à fait. On a un objectif, c'est être prêt pour jeudi matin. Dans l'un des palais du Hesel, on s'active sur le montage des cuisines. Avis aux amateurs, la plupart des entreprises souhaitent vendre leurs modèles d'exposition lors du salon, avec de substantielles remises à la clé. En général, c'est plus ou moins 50% du prix de la cuisine. Waouh ! Oui, tout à fait. Et donc c'est du win-win. Eux, ils repartent avec une cuisine à bon prix, et vous, vous n'avez pas le souci de démontage ? Alors, les ouvriers chez nous démontent avec les clients à partir du lundi, le jour du démontage. On emballe et les gens viennent chercher sur place ici. On ne livre pas chez les gens. La construction presque zéro énergie, l'habitat abordable et le retour du bois sont les grands thèmes de cette année. Batibo ouvre ses portes aux professionnels dès jeudi. Pour le grand public, le salon débute samedi prochain.